Ces outils, ce matériel, quatre clous un peu trop longs, les clous. Le problème vient des clous trop longs. Et le problème de cette pièce là, c'est qu'il y a une épaisseur assez importante au niveau rotation articulation. Il est assez épais. J'ai peur que ça va coincer. Et surtout la clé trop longue. Je vais coller ainsi. Coller, non. Clouer. Avec quatre clous. Voilà. Je vais mettre deux par porte. En bas et en haut. Voilà, donc c'est ici qu'on va percer.
je maintiens parce que pendant que je fais le trou, ça n'arrête pas de bouger et ça va casser la forêt qui est très fine. Planche D. Alors, on a besoin du 5, 4, 27. Je vais retirer 26. Planche G. On va sortir 17. H. Planche H. 11. Oh là, j'ai cassé. Oh, pas tout cassé, une partie. 11. 7.
7 ici. Des pièces. Pour les pièces. Voilà. 7 haches. Supplément. Ici, ça rend. Ça permet de. Par contre, cette pièce, il va tomber pile poil sur. Là, je peux plus faire rentrer la pièce. Ici. Donc, une fois que je coupe le bord ici un peu. Voilà, ça rentre bien là-dedans. On passe aux étapes 15, pièce 15, G17, D27 et H11. Voilà. Donc c'est comme ça devant et lui du coup c'est comme ça. Voilà. Ça c'est pour devant pour mettre la pile et fermer. Donc au cas où vous aurez le problème comme moi ici. La pièce ici G21 et la pièce ici, il faut poser comme ça, sauf que ça ne rentre pas du tout, le trou est très serré, ça ne rentre pas dedans. Au lieu de forcer qu'on peut casser les pièces, en fait, je prends des limes triangle ou carré ici. Et je les mets depuis l'arrière. Voilà. Les mets légèrement, pas trop. Et là, maintenant, si je veux installer, regardez, ça rentre parfaitement, sans casser. Sans rien casser. Voilà. Ça va jusqu'au bout. Voilà. E1, lui. E1. E3. E2, c'est le pistolet. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ici. Je me suis trompé.
Aïe, 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 aïe. Je viens de remarquer. Il faut faire ici et ici pareil. Il faut mettre les deux à l'intérieur pour faire glisser celui-là au milieu. Du coup, je l'y mets pour rien. Je l'y mets ici pour rien. On va changer de côté. Comme ça. Donc, je vais l'y mettre ici. Voilà, je vais l'y mettre ici. Jusqu'à... Ça marche. C'est rentré correctement. Le deuxième. Voilà. On va essayer. Poser l'interrupteur de LED. Voilà. Donc, D1, la planche D numéro 1 avec P1. Pour coller. Donc on va coller là à l'arrière comme les autres. Donc autour. À chaque fois, il dit qu'il faut mettre la colle, mais c'est pas la peine, vu que ça sert vraiment bien. Du coup, on n'a pas besoin de mettre la colle. Après, il y a quelques retouches des fois. Ouais. On revient. Si jamais ça bouge trop. Il faut mettre la colle pour le tenir. Mais là, c'est pendant le serrage, c'est un peu dur, mais une fois c'est fait correctement, ça devrait tenir sans colle. F5. Ici. Le trou. On va juste entrer dans le trou. Je mets la colle ici. Je vais mettre dessus la colle instantanée, ultra puissant. Bon, je vais mettre...
maintenant ici. On y va avec la colle. Fort, très fort. Voilà. Tenez quelques secondes. 5-10 secondes. Après, il y a le grand escalier. Ici. Donc, il va se positionner normalement. Comme ça. Tout simplement. Sans dépasser ici. Voilà. Je vais utiliser ça. C'est du ruban adhésif double face réutilisable. On va démarrer. J'utilise la pince pour aider à voilà. Donc, je colle. Donc en bas pareil, un en haut, un en bas. Attendez que je vois la hauteur, ouais, c'est bon. Et là maintenant je retire la deuxième couche puisque c'est double face. Et je vais détacher la deuxième protection. J'ai eu et j'ai raté à nouveau. Troisième fois, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, voilà comme ça, je peux retirer, démonter sans rien casser. Afin d'avoir un truc droit. C'est le bon. Elle est mal positionnée là. Et quoi ici? Il n'y a pas beaucoup de support en haut. En bas c'est bon, il est collé partout. Mais en bas, j'avais oublié, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien qui est collé avec. C'est juste un petit morceau ici. Donc, on va s'attaquer au G20, la pièce ici, balcon. Voilà. Donc, oui, c'est super glue. Instantané. Ah, mon doigt. Donc, glue instantané. J'ai presque collé mon doigt avec. Maintenir 5 secondes. À peu près. Ça dépend le pied. Voilà. Ah, tout à l'heure, ça colle mon doigt ici. Voilà. Pièce 9, G9, avec F10, qui est la barre, ici, donc, devant,
derrière. Là-bas, il a dit qu'il faut coller. En fait, j'aimerais qu'il puisse bouger. Donc, je ne vais pas le coller. Je vais le clouer. J'ai des mini-clous. Comme ça, il peut tourner. Ça, c'est mieux. Et avec des clous. Voilà. Alors, je vais chercher des clous. Si j'arrive à trouver. Un mini-clou. Et la barre, il faut que je vise le milieu du coup. Marteau, mousse. Un trou. C'est pas trop milieu, c'est pas grave. Ah.